Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une ethnie africaine qui se trouve au Tchad, que l'on appelle les Arabes Bassara. La particularité des femmes de cette ethnie, c'est qu'elles ont les cheveux crépus longs jusqu'aux fesses. Donc je suis allée à leur rencontre pour découvrir leurs secrets de beauté et elles ont accepté de partager avec nous leur méthode pour faire pousser les cheveux et la recette de leurs soins capillaires. Elles enduisent leurs cheveux d'une préparation qui garde leurs cheveux extrêmement hydratés et lubrifiés, ce qui fait que leurs cheveux ne se cassent pas depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. La préparation se compose majoritairement d'une graine qu'on appelle le chébé, d'une graine qu'on appelle mahlaba soubiane, d'une genre de pierre que l'on appelle le misik qui va parfumer la préparation, de clous de girofle, de résine que l'on appelle samour et de parfum liquide huileux. La femme qui nous a reçus va ensuite griller et piler chaque ingrédient pour ensuite les passer au tamis et obtenir une poudre. Ensuite, chaque femme choisit sa pommade capillaire préférée qu'elle va mélanger avec de l'huile. Dans la tradition originale, les femmes utilisaient du beurre de bœuf, mais elles ont troqué le beurre pour leur pommade préférée car le bœuf sent trop fort.
معذوره عايش قسنين اصل الغرام قسم ومصير بتجات من الله بنقبلا حكم الغدر. Pour ce qui est de l'application, elles humidifient d'abord leurs cheveux. Ensuite, elles alternent entre la poudre de chez B et l'huile jusqu'à saturation des cheveux. Et ensuite, elles retressent les cheveux. Une fois la tresse terminée, elles humidifient la tresse et elles font ce rituel tous les 5 jours. معذورة يا تشقى السنين أصل الغرام قسمة ونصيب جات من الله بنكبلا حكم الغدر لابد يصير أنا وإنت يا تشقى السنين ظلمونا ناس بنعزهم خلونا نبكي عشان صعب بالريض نضحي لأجلهم خلونا نبكي عشان صعب بالريض نضحي لأجلهم ما قدرنا ننقذ حبنا لا قدرنا نسعد قربهم معذورة يا عشق السنين أصل الغرام قسمة ونصيب جات من الله بمقبلة حكم الغدر لابد يصير شعلنا يا عشق السنين تلقى السعادة طريق عليك تشوفي في دنياك عذاب البهجة والأفراح تجي تشوفي في دنياك عذاب البهجة والأفراح. Beaucoup de gens pensent que leurs cheveux sont liés à des facteurs génétiques. Je leur ai donc posé la question. Elles m'ont répondu que non, leurs cheveux n'étaient pas liés à des facteurs génétiques puisque sur leur frange, elles n'appliquent pas le chébé et leur frange reste courte. Et en revanche, sur le derrière des cheveux, là où elles appliquent le chébé, où elles font leur méthode d'entretien, les cheveux ne se cassent pas et poussent très long. القمر ليلة تمامه زي عيونات البهية الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة القمر ليلة تمامه زي عيونات البهية الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة ست الروقة وجيها سمحة عسولة وجيها ست الروقة وجيها سمحة شبيهة ومن محيطة ولخليجة الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة القمر ليلة تمامه في بنات البهية الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة شوفوا طلات الوسيمة المقصة معود جسيم وشوفوا طلات الوسيمة المقصة معود جسيمة الودح فتحة خشيمه وقطعة السكر لهيجة الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة القمر ليلة تمامه في بنات البهية الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة البشوشة الصبوحة المنقدية غير مسروحة البشوشة الصبوحة شبيهة روحة المسك ريحة قرية الشعر والشام خلقة يا حلاتك يا خديجة القمر ليلة تمامه في بنات البهية
القمر ليلة تمامه زي بنات البهيجة الشعر والشامخ الجو يا حلاتك يا خديجة